Hey, ça t'intéresserait, un petit poker? J'ai rien contre. On joue pas gros. Maximum 10 cents. La musique, y a que ça pour vous faire oublier toutes les fatigues de la journée. Dommage qu'il joue faux. Pauvre bougre, il est sourd comme un pot. Il a été enseveli sous un chargement de houille pendant plus de 24 heures. T'es ici en touriste? Oui, je cherche du travail. 2-10. Dans la mine? Exact. Avoir tes mains, t'as jamais battu de charbon depuis ta naissance, toi? Encore exact. C'est ouvert, 10 cents. Bon, plus 10 cents. Pas pour moi. À toi de donner. Tu sais, le travail de la mine, c'est très dur. Quand on a des mains comme les tiennes, c'est rarement le genre de métier qu'on fait de gaieté de cœur. Je regrette, je n'ai que ces mains-là. T'as triché. Tu as triché. Mais tu plaisantes, non? Non, je t'ai vu, moi aussi. Tu t'es distribué des cartes par en dessous. Si c'était vrai, je me serais donné de meilleures cartes que ça. T'as triché, je te dis. Bien, inutile d'inventer de fausses accusations, si ce n'est qu'une bagarre que tu cherches. Qui je prends d'abord, toi? Je regrette d'avoir eu à taper un peu fort. Il fallait bien que ça paraisse authentique. Et puis comme ça, vous gagnerez leur sympathie, ils vous accepteront plus facilement. Ce n'est pas à vous que j'en veux. Vous avez pris un bon départ. Excellente idée, cette bagarre. Ils vous respecteront désormais. Parce que les seuls gars qu'on respecte ici sont ceux qui savent cogner et encaisser les coups. Ils sont cinglés dans cette équipe McParlan. Ils ont perdu une grève, alors ils se vengent en faisant tout sauter. Ils ne sont pas cinglés? Ils sont d'Irlandais. Je ne trouve pas ça amusant. Bien sûr. Vous êtes flic. C'est normal. Donc, nous savons qu'il existe une organisation. Vous connaissez l'ancien ordre des Hiberniens ?